Rome fait un pas de plus pour se conformer aux objectifs de l'accord de Paris et tenter de réduire à néant ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Le gouvernement italien a pris de nouvelles mesures pour investir dans des politiques économiques plus respectueuses de la planète et lutter contre la pollution au plastique. Au total, près de 55 milliards d'euros seront injectés dans cette cause au cours des années à venir, avec au programme dans l'immédiat un coup de pouce financier à ceux qui prennent les transports en commun ou aux commerçants qui vendent en vrac leurs produits. Le premier article du décret sur le climat impose que toutes les politiques économiques de ce gouvernement et de ceux à venir soient vertes dans les prochaines années. Ce New Deal vert est voué à générer des ressources pour financer l'éducation ou encore la protection sociale. Mais vu les 500 000 tonnes de déchets qui finissent chaque année dans la Méditerranée, la lutte contre la pollution au plastique reste le défi majeur pour le pays. La mesure la plus clivante de ce programme est la taxe sur le plastique. Le projet initialement était de lutter contre ce type de pollution en demandant aux entreprises de payer une taxe d'un euro par kilo de plastique produit, y compris les bouchons, bouteilles, contenant de lait ou de produits ménagers et sur l'ensemble des emballages. Le gouvernement s'est finalement engagé à revoir sa copie après les plaintes d'associations qui invoquaient un coût supporté par les consommateurs qui pénaliserait le secteur. Mais les Italiens sont divisés. D'après un sondage, 54% d'entre eux se disent favorables à cette mesure qui sera examinée dans le cadre de la prochaine loi budgétaire. Si c'est appliqué comme il faut, ça peut être une bonne idée. Mais si c'est pour berner les gens, ça ne va pas me convaincre. Si on regarde ce que je viens d'acheter, il y a trop de plastique. Pour emballer les tomates, la charcuterie. Cette taxe est une bonne chose. Plusieurs acteurs du secteur de l'industrie et des associations demandent au gouvernement d'annuler cette mesure. Rien n'est définitif, c'est le début d'un long chemin. Au cours des 40 dernières années, rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous adoptons une nouvelle loi tous les 3 mois. C'est une immense réussite. L'Italie va mettre en place des cours sur le dérèglement climatique dans les écoles dès la rentrée prochaine, du primaire au lycée, et va intégrer les problématiques environnementales dans l'ensemble des matières.